Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver. Donc aujourd'hui on se retrouve pour faire un petit point sur le diamond painting que j'ai fait. Je vous avais présenté un kit que je me suis acheté sur e-broderie. Voilà, donc j'ai pas pu le commencer avant. Là j'avoue que je commence un peu à le... parce que ça me démangeait quand même depuis que je l'ai reçu de l'ouvrir. Donc pour info, j'ai reçu les diamants qui manquaient, donc tous les sachets, et en plus du coup j'en ai reçu un de plus de chaque de ce qui manquait. Style, il m'en fallait qu'un. En fait il m'en a envoyé deux, et je trouve ça très bien et très gentil. Ça a été très rapide. Voilà, puisque moi j'ai eu la réponse le lendemain en disant vous inquiétez pas, on vous envoie tout. Il ne savait pas qui j'étais, je précise. Je l'ai commandé à mon nom, non pas à l'atelier de Joël. Donc il ne savait pas que j'ai une chaîne YouTube et tout ça. Je l'ai commandé en perso. Voilà. Du coup je vous rappelle, pour celles qui n'auraient pas vu, donc c'est des orchidées. Il est un peu grand, je suis désolée. C'est des orchidées comme ceci, avec des bougies, dans l'esprit zen, voilà. Et je l'ai fait avant-hier, puisqu'hier, j'étais sortie toute la journée, je suis rentrée tard, du coup, j'ai pas pu le faire. Je l'ai fait un petit peu hier, avant-hier, pardon, donc lundi. Pardon, désolée, et j'ai fait tout ça déjà. Hop. Voilà. Donc, comme d'habitude, moi j'adore. Le seul truc que je pourrais reprocher, puisqu'il faut bien trouver des défauts de toute façon, moi j'ai un peu de mal avec les signes. Voilà, qu'il y a, mais bon, après j'y vois pas bien aussi, puisque j'ai rendez-vous à l'ophtalmo en février. Du coup, j'ai les loupes, alors du coup, peut-être que ça vienne de moi. Voilà, je voulais vous montrer aussi. Descends de là. Descends. Hop. Oui, yeah. Mimi qui fait les griffes sur mon fauteuil. Je voulais vous montrer aussi le rangement que j'avais pris sur Amazon. Du coup, puisque j'avais reçu les sachets comme ceci dans des petits paquets. Du coup, moi j'ai passé un certain temps quand même. Je suis venue les mettre dans les boîtes, étiquetées. Il n'y a que les derniers sachets que j'ai pas mis en boîte, puisque... je sais pas s'il va me les falloir tous et tout. Comme il y en a que un ou deux sachets de chaque, je les mettrai dans les boîtes que quand ils seront ouverts. Du coup, moi je trouve très bien ces rangements. Voilà, donc c'est numéroté. Excusez-moi, qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce qu'il y a? Ah, elle a pris une mouche. Désolée. Non, voilà, c'est moi j'aime bien. Voilà. Du coup, vu que j'en attends d'autres, donc je vous avais dit que j'en avais commandé un ou deux sur Wish. Et pour me remercier d'avoir fait la vidéo, ils m'ont proposé de me renvoyer un kit gratuit que j'ai choisi et que j'attends. Il va être très grand celui-là. Voilà, mais je l'adore. Celles qui me connaissent comprendront pourquoi j'ai pris celui-là. Du coup, moi, j'en ai recommandé une autre. Voilà. Alors, juste pour comparer, parce qu'on dit toujours, oui, c'est moins cher, c'est moins cher. Donc, pas forcément, puisque dès que vous montez pour les diamants painting dans les tailles, ça revient très cher. Voilà. Moi, vous verrez ce que j'ai commandé. À part de prendre le tout petit, voilà, j'ai dû le payer dans les 20 euros aussi. Hein, donc, voilà. Et pour les boîtes, pareil, encore ce matin, j'ai regardé, moi, celle-là, je l'avais payée 11 euros, je crois,
12 € en Prime, donc livraison le lendemain. J'ai commandé la même. Ils vont me livrer fin décembre, début janvier. Et je l'ai payé 7,80 €. Voilà. La même boîte sur Wish, elle est à 12 ou 14 €, je sais plus. Voilà, la même. Parce qu'il y a 64 compartiments. Voilà, alors moi je sais pas, je dis qu'il faut quand même regarder les prix un peu partout. Voilà, parce que, pardon, c'est pas excessif non plus. Et des fois ça coûte un peu moins cher d'aller sur Amazon ou sur d'autres sites que d'aller directement sur Wish. Puisque moi j'ai comparé les prix sur ce qui m'intéressait et franchement. Bah, ça vaut pas toujours le coup, voilà. Donc après, comme vous voyez, moi il m'en reste encore plein des dispo. Mais bon, vu que j'ai les perles de l'autre kit qui sont encore en sachet, que j'en ai d'autres qui arrivent, du coup je pense qu'une autre boîte ce sera pas de trop. Voilà, donc ça, et puis c'est tout. Je pense que j'ai rien à rajouter. Je ne vais pas vous le faire devant vous, puisque je pense que ça ne vous intéresse pas forcément de le faire avec moi. Si vous voulez qu'on le fasse ensemble, n'hésitez pas à me le dire en vidéo, en commentaire. Hein. Moi, il n'y a pas de souci. C'est juste pour vous que bah, je ne vous ennuie pas parce que en faisant ça. Voilà. Bah, j'ai rien à rajouter. Oui, je voulais juste vous montrer. Voilà, donc j'ai reçu tous les. Tout ce qui me manquait, comme vous voyez. Et même, ils en ont mis un à deux sachets de plus par couleur. Donc, je trouve ça très gentil. Surtout que, du coup, elle savait pas du tout que c'était moi. Je précise, puisqu'après, on dit que c'est du favoritisme ou qu'ils font pas pareil et tout, quand on est partenaire ou pas. Mais bon, voilà, la preuve est que. Par contre, moi, je les ai contactés par un mail. De service après-vente. J'ai pas répondu au mail qu'on reçoit quand on passe commande. Il est marqué si j'y pense, je vous le remets en barre d'infos. Ben là, c'est particulièrement pour la personne qui m'avait dit qu'elle avait beau les contacter, qu'elle n'avait pas de réponse. Voilà. Car cela dit, j'en ai parlé, moi, à. C'est Lisa. Quand on a parlé du nouveau kit qu'elle voulait m'envoyer. Je lui ai dit que j'avais une abonnée qui m'avait dit qu'elle avait eu des problèmes et tout, et elle m'a dit, elle m'a donné le mail pour que justement tu puisses les contacter. Et moi, c'est vrai que c'est ce que j'ai fait pour ce kit-là. Je vous dis, j'ai envoyé le mail, il devait être minuit, un truc comme ça. Le lendemain à 6h30, j'avais une réponse comme quoi ils étaient désolés et qu'ils faisaient partir les diamants qui manquaient de suite. Et je les ai reçus il y a quelques jours, hein, il y a 3-4 jours. Donc voilà, nous sommes le 11 décembre. Donc voilà, après il y a quand même les délais d'envoi puisque c'est pas en France. Hein, donc il faut quand même le temps que ça arrive. Mais franchement, moi j'ai trouvé ça très rapide et correct, quoi. Il n'y a pas de. Enfin, moi j'ai pas eu de soucis, voilà. Mais ce n'est que mon opinion à moi. Voilà. Non, mais écoutez, voilà pour mon petit tour, mon petit avancement de mon diamant painting. Oui, par rapport à l'autre fois, moi j'ai commencé par le haut, d'accord? Et puis, parce qu'il est grand, il tombe par terre. Et du coup, comme ça, je vais faire en descendant, donc en montant la broderie. Voilà. Je vois pas qu'est-ce que je peux rajouter de plus. Bien sûr, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Moi, j'ai pas encore ouvert ça puisque j'ai déjà les autres de l'autre fois. Cela dit, quand on travaille que sur deux couleurs, parce que là, j'ai que le rose pâle et le gris pâle. Donc, c'est pas mal de prendre les deux, peut-être, avec les deux couleurs, comme ça, on gagne du temps. Je verrai, je testerai. Donc voilà, moi j'ai toujours le même stylet. Hop. Voilà. Et comme je vous avais dit, vous voyez, la mousse elle est en haut, je ne m'en sers pas puisque sinon elle me tombe dessus là. Je ne sais pas comment je me débrouille, mais voilà.
Donc ça, ben c'est tout. Je crois que j'ai fait le tour. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me le dire. Voilà. Ben voilà, moi je suis contente. Donc je vous dis, le seul truc que je peux dire, c'est que c'est vrai que moi j'ai du mal à voir là les symboles parce qu'il y en a qui se ressemblent un peu, mais ça n'engage que moi. Et je ne sais pas, voilà, si c'est parce que c'est moi qui vois pas bien ou pas. Voilà. Donc, mais après, j'y arrive quand même, hein, la preuve. Donc, voilà, faut juste se concentrer parce que c'est surtout là que j'ai du mal à voir les différences. Mais après, il y a quand même les couleurs aussi, donc, sur la toile aussi. Donc, ça aide aussi. Donc, voilà. Mais écoutez, j'espère que cette petite vidéo rapide vous a plu. Moi, je vous fais tout plein de gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.